Salut à tous, bienvenue à Post-Lafayette. C'est dimanche, il fait plutôt beau, une petite pluie. Si nous l'avons dit, c'est tout simplement parce que l'histoire qui nous pour raconte autres se déroule à Post-Lafayette. Et les auteurs de cette histoire, Tom Camaleon, ils sont avec moi ici, Deson Lingaya et Terence Kelly. Deson Lingaya, il est l'auteur, et Terence Kelly, c'est le dessinateur, l'illustrateur. Mon camarade, merci d'être venu avec nous ensemble ce matin. Raconte-nous premières affaires. Qui l'envie Jason Ngagné pour raconter Tom Sawyer à la Mauricienne? Ça me vient remonter à l'enfance carrément. Parce que à l'époque, je suis vraiment impressionné, je suis vraiment content. Un petit comique qui tient un petit comique japonais par Saito, qui tient dans les années 80. Et donc, c'est toute ma génération et probablement de la génération d'autres Mauriciens aussi qui finissent get ça et apprécier ça de cet animé-là. Et ça, c'est une bonne première référence qui m'en a de Tom Sawyer. Et par la suite, je finis aussi lire le livre. Et finalement, je finis un professeur en pré-vocationnel en 2001. Et tout ça là, on met ensemble. Donc ça me donne moi un moment, l'idée, à force que j'élève, à force de travailler avec les élèves, et comme on connaît, les élèves provocationnels, les élèves Tom Sawyer potentiel. Alors c'est de là un peu que l'idée de Tom Camaleon, une comment j'ai aimé. Et vu aussi qu'il m'a dit pendant longtemps, vivre pour Lafayette, parce que mes grands-parents tiennent un campement ici. Donc mon esprit à moi un peu du décor d'ici. Et me mettre tout ça un peu ensemble, et voilà, nous avons Tom Camaleon qui nous sorti. Je crois que comme nos enfants, ça là, ça, et surtout, tu as un petit comique qui peut passer dans la télévision. Je crois que c'était un bon dessin animé qui était vraiment très captivant, surtout pour sa génération. Hein. Et pour la suite, quand Jason vient moi pour faire une bonne illustration, ben, tout de suite, je saute sur l'eau ça à l'occasion. Là. Première affaire que je fais, je fais une bonne recherche, je fais une bonne illustration disons, pour le livre. Et je fais aussi ben, le dessin animé, qui a vraiment ça côté touche un peu plus manga, là, on dirait ça comme ça. Mais après, moi, là, je fais un mood board. Et puis, je fais la création de Tom Camaleon et un nouveau Huck. Et pour que ça soit un personnage, il y a un côté plus, allons dire, local, entre guillemets, vu qu'ils peuvent évoluer de la côte noire à Poste Lafayette. Tom Sawyer, c'est une légende créée par un auteur pas moins légendaire, Mark Twain, qui vit Maurice à l'époque. Il écrit ce livre en anglais américain. Jason Hoon décide pour adapter lui en créole, ce qui demande un travail assez conséquent, pas juste contextualiser lui dans son environnement de Post Lafayette là, mais aussi repense lui en créole. Quelle manière on procède à sa choix là? Déjà, j'ai besoin de dire que je n'ai pas fait l'adaptation complète du roman de Mark Twain, qui est un roman quand même assez volumineux. Moi, j'ai fait une facette, une partie de certaines idées comme ça qu'il y tient là. Et j'ai aussi réadapté un peu cette histoire-là dans un contexte mauricien.
Alors, comment ça te vient? Bon, déjà dans le passé, tu n'as, comme tu es beaucoup plus jeune, tu as l'occasion de Tom Sawyer en dessin animé. Et c'était ça a été à l'époque en 1980. Et alors, ça te manque, moi. Mais c'est pas plus que ça, hein. Ça me manque, moi, et puis moi, j'oublie, lis-moi. Right? Mais bien plus tard, je lis le roman, le merveilleux roman donc, de Mark Twain, tellement riche. Et à partir de là, ça fait une petite idée qui commence trop dans la tête. Et puis finalement, en 2001, je suis enseignant, et c'était en prévocationnel. Et je suis toujours enseignant d'ailleurs. Et pendant toute cette année-là, j'ai eu l'occasion de côtoyer des élèves qui tiennent Tom Sawyer potentiel. Donc, du coup, quand je mets un peu tout ça ensemble, et aussi le fait qu'il me dit qu'il a l'occasion de passer beaucoup de vacances à Post-Lafayette, puisque mon grand-parent tient un campement ici. Donc, on me met tout ça là ensemble, et finalement, Tom Caméléon, il commence à prendre naissance comme ça, jusqu'à finalement, on commence à écrire en créole. Ou tu as une félie en français adaptée ici, peut-être plus simple, mais une félie en créole. Donc, il y a une volonté déjà pour localiser vraiment dans nos cultures propres. Qui s'en demandait comme process? Bon, je vais tout de suite dire que je suis une grande chance parce que moi, je travaille dans le prévocationnel. Et dans le prévocationnel, nous avons le premier, en fait, commence à enseigner le créole avant les élèves. Donc, je suis rentré en 2001, comme je disais, et par la suite, en 2004, je gagne donc la chance de faire un cours, suivre une formation, pas juste moi, bien sûr. Plusieurs de mes collègues qui étaient en prévocationnaire à l'époque-là. Et c'est pourquoi que, au fur et à mesure, je commence à faire mon papier d'examen en créole, je finis faire devoir aux élèves en créole. Donc, c'est une affaire qui finit très naturellement. Ce processus écrit en créole-là, faire une compréhension en créole, vous comprenez? Donc, c'est une affaire qui finit un processus naturel pour moi. Et donc, me finir écrire éventuellement Tom Caméléon en créole. Terence, nous ne fait qu'assister à un superbe lever de soleil. Vous pensez que vous passez beaucoup de temps dans le coin pour gagner une inspiration pour illustrer Tom Caméléon? Effectivement, enfin, si nous, même depuis l'enfance, au fait, quand nous sommes venus là, nous sommes allés l'autre côté là-bas dans le bassin, et puis alentour, vous pouvez remarquer qu'il y en a beaucoup de filles là-haut, et puis ça va un petit plante, un peu vert partout, avec Ban Ross là. Ça, à côté assez typique de Post-Lafayette là, moi, dans pas mal d'illustrations que je peux prendre, disons, dans le landscape, et je peux poser ce dessin là, ça va une plante là, je peux mettre dans ça une illustration là. Ils font partie, ça va un dessin là. Le fait que vous illustrez, quand vous avez l'occasion, l'aventure pour Tom Caméléon, ça permet tout de sortir un peu dans vos quotidiens. Définitivement, Ludwig, parce que là, franchement, le processus de création, il est le même. Mais là, je ne vais pas dire que l'enjeu est tout autre, mais il y a un aspect d'évasion certainement beaucoup plus grand. On va pour tous un public plus large aussi, sur une longue portée. C'est un livre. Once, c'est mis dans la nature, who knows jusqu'à où ça peut partir. Donc à ce moment-là, bien sûr, maintenant pour revenir dans la section de la création, il faut porter une bonne qualité, une création d'image, de la couleur. Et même le cover, je me rappelle, on prend des 3 jours, parfois pas satisfait, refait, jusqu'à qui, comment dire, on sentit qu'il vaut ça, soleil qui peut lever là, comment dire, dans l'équipe. Un bon chapitre de Tom Caméléon intitulé Avant soleil levé. Avant livre sorti, une bizarre un peu coup de main à droite à gauche pour capable, comment dire, mettre en place l'infrastructure pour tirer le livre là. Qui s'en demande?
me remercier vous, Ridwig, pour vos questions. Alors, pour la correction du texte, Sandvin Motinakiken Pascal Nadal, qui est du SEDEC, qui nous demande un coup de main pour la relecture du texte. Je vais gagner un coup de main avec Florian, qui aussi fait une relecture. Et aussi, je vais gagner un coup de main avec le CSU, Creole Speaking Union, qui finit. Je vais faire la lecture finale, la correction finale. Et je vais gagner un panel carrément de pédagogues à ce moment-là qui finirait de lire et finir check un peu. Parce que c'est vrai que écrire c'est une chose, mais retrouver tout banti faute et la graphie créole, je pas forcément maîtrise li tout à fait. Et donc, je vais besoin de gagner ça va une relecture là pour capable. Fiasier qui peine à ne pas quitter trop beaucoup de fautes dans le livre. Là. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça montrait qu'il y a un potentiel pour servir des histoires qui, d'ailleurs, mais surtout d'ici aussi, dans nos pédagogies, pour montrer des affaires à des enfants. Et là où, en tant que pédagogue, qui vous pensez un peu de sa richesse qu'il y a dans nos patrimoines littéraires, d'être écrit ou adapté ou en bande dessinée ou en roman jeunesse. C'est extrêmement intéressant, ça c'est qui ça donne la porte qui peut ouvrir aux disons là. Oui, c'est sûr. Moi-même, avec Tom Camaleon, je peux tester lui maintenant avec mes propres élèves pour que un coup, est-ce qu'il y a un intérêt vraiment pour ça, parce que comme M. Kali, moi, je n'ai pas langue de vue, ma façon trouver comment les types utile, mais c'est maintenant qu'il vraiment nous peut expérimenter le terrain, est-ce qu'il ban élèves peut vraiment intéresser ou pas avec ça. Et aussi, j'ai besoin de dire qu'il nous finit être approché depuis l'apparition du livre par au moins trois groupes de personnes différentes. Et bientôt, là, nous allons faire un atelier pour les enfants. Et nous allons faire un atelier avec professeurs, ban enseignants. Pas juste moi tout seul, d'autres personnes aussi pour là, ça joue là. Et aussi un autre atelier créole qui peut venir par la suite avec un adolescent. Donc ça veut dire que déjà là, il y a une affaire qui met en place, une structure qui peut mettre en place pour utiliser le livre comme un marche-pied pour aller vers autre chose, pour l'enseignement du créole à un certain niveau en tout cas pour le moment. Mais j'espérais que ça pourrait prendre un peu plus d'ampleur bien sûr. Terence, on illustrait un moment clé. De Tom Camaleon, ce qui signifie qu'on a besoin de faire un choix parce qu'il n'y a pas qu'à faire des dessins pour sa base, pour ainsi dire. Mais potentiellement, donc à Raven Good, ça tu es capable de venir une bande dessinée en 40 planches. Est-ce que ça tu peux tenter, si c'était possible, est-ce que ça tu peux intéressant pour vous pour faire ça? Alors, moi pour répondre à ta question, disons en deux parties. Première partie, moi pour. Disais toi qui allons dire que c'est sûr tourner 19 illustrations en noir et blanc plus une couverture en couleur en une bande dessinée qui en plus si c'est du tout en couleur à l'intérieur le travail est énorme. Maintenant si c'est possible bien sûr. Mais à ce moment-là, il faut mettre en place un planning vraiment bien costaud. Et on ne sait jamais, mais je crois que c'est possible. Ce serait tentant. En fait, je me demande ça parce que nous connaissons qui Mark Twain il a adapté Tom Sawyer dans plusieurs livres. Et là, qui est inachevé d'ailleurs. Il fait une aventure avec son camarade Huck Finn. Ça a une propre la vie. Dans notre univers, et ça nourrit l'imaginaire de génération de génération de lecteurs à travers le monde. Potentiellement, nous avons imaginé qu'il pourrait avoir la suite, pas forcément sous forme littéraire, comme on fait lire, Jason, mais peut-être aussi sous forme de BD ou autre. C'est ça qui est intéressant là-dedans, c'est que, comme je peux installer l'apôtre qui est ouvert, c'est qu'il y a différentes façons pour que sa personnage-là, on va dire, vive dans. De nos petits milieux ici là. C'est sûr, parce que en fait ça a déjà existé, hein. Et une bande dessinée de Tom Sawyer,
dans toutes les langues en fait. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous pouvez dire aussi, c'est que Ena, en fait, bande dessinée, en créole, mon gars, l'occasion, au moins 3 ou 4 comme ça, au moins, sans citer de nom, mais seulement d'auteurs connus. Hein? Ça aussi, Ena. Et aussi, même que me trouve l'histoire de Maurice, mon corps. Tout à fait, l'histoire de Maurice, Olivier avec lui, voilà. Séries, ouais. Voilà. Mais non, c'est une possibilité, mais seulement, enfin, Terence, pourquoi il est assez très clair là, l'aspect travail, c'est le nombre d'heures que ça demande, comment dire, pour réussir à faire une bande dessinée. Il est conséquent. Il est énorme, parce que lui aussi, bien sûr, il a son propre travail déjà. Donc, vous pensez, et puis ce serait quelque chose qui, d'une certaine façon, Tom Camaleon, il est déjà là. Mettre-le en bande dessinée, je ne sais pas connaît si l'intérêt est réel. Bah, enfin, si quelqu'un en tout cas, si quelqu'un a envie de faire lui, peut-être, pourquoi pas. Si quelqu'un a envie d'essayer lié à ça, pourquoi pas. Mais nous avons un des projets encore comme ça, hein, mais pas forcément Tom Camaleon. Peut-être autre chose. Nous revenons un peu à l'esprit Tom Sawyer-là, qui est synonyme la liberté, l'anticonformisme, tout ce qu'appelle l'aventure, le désir de découvrir, un peu d'amourette aussi dans l'histoire originale. C'est une affaire qui est tellement reliée à l'enfance, l'adolescence aussi. Est-ce qu'il vous envisagez ou tu peux dire une prose qui peut venir, poursuivre un peu sa thématique-là dans Post Lafayette ou ailleurs, hein? Ça va le procès à mentir. Depuis que je tiens le livre, je finis plusieurs personnes qui posent cette question-là. Ils disent hey, non, tu as besoin de faire la suite de Tom Camaleon et tout ça. Valeur du jour, je ne pas connais. Je préfère être franc, je ne pas connais. Est-ce qu'il me pour relancer dans l'aventure de cette façon-là. Je n'ai pas un projet d'écriture, sans doute, mais je ne sais pas si ce sera dans le même créneau. Il va falloir. On verra. Hein? Tout pour dépanner, c'est pas mon sentiment attiré dans cette direction-là. Parce que pour moi, l'écriture, ce n'est pas quelque chose de tout à fait automatique. C'est quelque chose qui est assez laborieux, qui est assez pénible, même parfois, je veux dire. Je ne peux pas écrire avec une facilité ou quoi que ce soit. Mais d'ailleurs, le projet Tom Camaleon, ça date de 2011. Hein, c'est là que j'ai commencé à faire mon draft sur une affaire-là. Mais ce n'est qu'en 2017 qu'il m'a terminé. Bon, c'est vrai qu'entre moi, j'ai un cours, moi, j'ai les autres affaires pour occuper, mais quand même, c'est pas une affaire qui, comment dire, me finit d'un G comme ça. Hein. Donc, pour résumer ça, je suis content, il y a d'autres projets d'écriture, mais seulement, est-ce que ce sera dans le même créneau, est-ce que ce sera une suite de Tom Camaleon? Moi, franchement, pas qu'à dire. Est-ce qu'il vous trouve ces histoires-là en images? C'est vrai que ça aussi, voilà, le potentiel est là, comme Terence peut dire. Et c'est vrai que ça aussi, moi, fin gain un des Jimoun encore qui n'approche moi déjà pour un petit projet, par exemple, par rapport à un truc audio, purement audio de Tom Camaleon. Et aussi un autre petit projet comme ça, d'un truc filmé, quoi. Hein? Donc. Mais ça, bien sûr, ça peut demander du temps, ça peut demander disponibilité de chacun. Donc, nous vous guettez. Je ne suis pas réfractaire à attendre ce genre d'expérience-là. Jason, vous avez posé une source d'inspiration. Nous tous, là, ce qui nous a inspiré par un auteur comme Enid Blyton, par exemple, avec toute une série Clan des 7, Club des 5, etc. Ça nous nourrit nos imaginaires. Aujourd'hui, il y a les autres auteurs qui peuvent nourrir. Ban enfants qui peuvent grandir et qui découvrent beaucoup l'aventure aussi à travers les réseaux sociaux, ban séries télé, etc. Mais ou même qui ban auteur qui frappe ou qui influence ou qui, comment dire, inspire ou pour lancer, parce que vous sentez ou on a les autres projets autres qui tombent comme à Lyon. Oui. En fait, quand je suis au collège,
ban auteur qui fin mort moi et ça nous continue mort moi pour la suite parce que mon tendance pour relire même ban livre qui m'ont déjà lu hein. Donc il y a Saint-Exupéry et Saint-Exupéry dit une affaire il dit ban grand du monde je tout petit enfants mais souvent il y a beaucoup parmi eux qui oublient ça j'ai oublié ça bout là qui je petit bande enfants donc je dans cette la tête je ne viens grand du monde et je reste grand du monde. Et Saint-Exupéry, tu fous l'eau sur ma qualité dialogue. D'ailleurs, il répond ça dans Le Petit Prince aussi. Et, mais le texte qui m'a vraiment apprécié pour lui, c'est Vol de nuit. Hein? Mais il y a aussi les autres textes, il y a Maupassant qui m'a très apprécié. Il y a sur ma compte surtout. Il y a aussi ce roman Pierre et Jean qu'il écrit. Il y a aussi un auteur américain comme Mark Twain définitivement, mais pas juste pour Tom Sawyer, aussi pour Huckleberry Finn, qui est un superbe roman, extrêmement bien écrit. Et puis, bon, il y a bien sûr plusieurs les autres, mais bon, ne pas pour trop rentrer dans tout banaisen. Plus récemment, il y a Houellebecq, mais ça, c'est bien différent, hein, il est bien différent de ce qu'il peut écrire lui. Voilà, donc c'est Ban Ki-moon qui est nécessaire pour moi de relier les autres et inspirer moi des autres parce que je tenais à sa qualité d'écriture là qui me tient content, développe un petit peu de ça moi-même éventuellement. Et aussi moi je voudrais mentionner Rudyard Kipling qui pas seulement pour le livre de la jungle, parce que Terence c'est que moi aussi nous travaillons un petit texte qui est sorti un peu longtemps, qui s'appelle le livre de la jungle en créole. Hein, nous fait la traduction de ça. Enfin moi je fais la traduction, lui je fais mon dessin. Mais il y a aussi un texte de Rudyard Kipling, Capitaine courageux, qui vraiment ça c'est un texte qui me marque moi beaucoup et qui aussi traite de l'adolescence, préadolescence, adolescence. C'est vraiment un grand auteur pour moi, Rudyard Kipling. Et me content qu'il m'a eu l'occasion de mentionner aujourd'hui. En tout cas, j'espérais une découverte des auteurs extrêmement intéressants qui nous proposent un projet qui nous invite Dimoun à lire, Tom Camaleo. Jason Lingaya et Terence Kelly ils font un projet avec les Kéa qui ramène nous à nous l'enfance et c'est une très très bonne chose. Nous finissons notre entretien ici. Merci de les abonner. Ensemble avec tous mes camarades, qui est Chad Pirali et Mind Virgin. Ça fait plaisir. Pourquoi ce qui nous restait pour faire Astier, c'est bah, la pêche. Bien sûr. Après, nous faisons une grillade. Un bon grillade poisson. Bon grillade, ouais. Très bien. Nous dans le bon endroit. À la prochaine. Ok, merci.